Wow. Oh. Oh. Mesdames et messieurs, c'est mes fans, je retrouve le Stumble Guys. Vous m'avez réclamé un épisode 2 sur les top astuces. Donc on va avoir une compilation d'astuces très utiles. Moi aussi, je vais beaucoup apprendre de ça. Je me suis pas tout spoil avec les emotes et sans les emotes pour ceux qui n'ont pas à payer des passes, etc. Donc il y a aussi des astuces très intéressantes sans les emotes. Le record de pouces bleus est à 6600. Merci vraiment, c'est extraordinaire. Donc voilà, je le dis, si jamais vous voulez battre le record ici ou ailleurs. Voilà, ça c'est dit. Les nouveaux abonnés, merci à vous. Bienvenue sur la chaîne, ceux qui ont cliquez tout ça. J'ai la question à vous poser, à vous ainsi qu'aux anciens. Où allez-vous partir en vacances cet été? Si vous ne partez pas, mettez une petite PLS, on va vous donner de la force dans l'espace commentaire. Et nous, on est parti à la boum. Voilà, avec, alors, un niveau de difficulté level 1. Ok, donc vous, ça m'est arrivé de le faire sans faire exprès. De passer, voilà, vous tapez, vous avez vu, sur le panneau lumineux, sur le panneau lunaire. Ça vous fait passer sur la gauche. Alors moi, ça m'est arrivé sans le faire exprès, mais donc du coup, on peut le faire exprès, il suffit de voir la position. Oh, ça, c'est magnifique, par contre. Ça, c'est magnifique. Donc, le double jump direct tout droit. Et c'est niveau 5 seulement. Donc, à son goût. Alors ça, on va le voir plus en détail après, vous allez voir. Donc, un jump là. Un deuxième jump là. Là, je crois qu'il y en a un. On va voir ça en détail un peu plus loin dans la vidéo, vous allez voir. Mais ça, c'est ultra stylé. Alors attendez, passe à l'extérieur, un jump, un autre, il passe sur le... C'est magnifique, hein. Il passe sur le... Bon. Ça demande un peu de... Je pense que déjà là, ça commence à se corser. Là, j'ai du mal, moi. Donc il est passé... Mais ça, c'est pas facile, je trouve, déjà. Moi, déjà, level 20, je bloque, en vrai. Oh là, ça, c'est trop dur. Mais j'arrive pas à être dans le... Quoique... Ah, ça peut se tenter. Ça peut se tenter. Level 30. La boulette ici. Ah, c'est beau quand même, comme il est passé sur la boulette. Hop. Il a double jump. Mais ça, c'est... Bon. C'est tricky. Ah, ça c'est très... Oh là là, ça c'est use glitch. Donc, faut être en glissade sur la rampe et passer sur... Ouais, après c'est... Ça c'est incroyable. Ça y est, on est plus là. Alors attendez, celui-là peut... C'est marrant, celui-là, j'ai l'impression qu'il est plus facile en vrai. Peut-être je me trompe. Il jump sur le coin, double jump, sur le coin du premier carré, et après la rêve, j'impose... Je me le sens plus facile que le 20. Ah, magnifique. Donc, il faut faire la petite rotation avec. C'est beau. C'est très très beau. Mais faut faire la petite rotation avec. Ça. Ah, là, il n'a pas passé par le... Alors, attendez, ça, c'est intéressant parce que c'est un autre. C'est pas celui où il passe sur le mur au-dessus. Mais il est chaud quand même. Ça, c'est mignon. Waouh, ça, c'est glitchy, ça. Ça, faut connaître. Alors, voyons voir le point de démarrage. C'est ici. Juste avant. Juste avant, il n'est pas dans l'axe, il est un peu sur la gauche, c'est là qu'il jump. Level 60. Le fameux drapeau. Ah mais j'ai l'impression qu'il marche, il fait un pas dehors, hein, j'ai l'impression. Hein. Il fait un pas dehors carrément. Hein. Ah il doit être dur, hein. Il doit être très dur. Alors attendez, ça faut que je vois. Ah ouais, attendez, là il part quand même du petit caillou. Hein. Regardez, hein, c'est le petit caillou ici, enfin, le plus gros des petits. Il pique du nez. Et à la fin de la piquette du nez, il repique encore un coup. Trop chaud celui-là, on n'y arrivera pas. Enfin, si vous y arrivez, vous me dites, hein. Moi je veux savoir si vous arrivez à faire. Moi j'ai testé des trucs, j'ai pas réussi à faire. Ok, là il a la chance avec lui. C'était quoi l'histoire là? C'est que le jump... Je l'ai pas saisi, je vous cache pas, je l'ai pas saisi, vous allez m'expliquer. Je l'ai pas saisi. Oh, ça c'est stylé ça par contre. Juste avant la rambarde jaune comme ça de pas... Regardez-moi ça. Ça c'est un très très bon raccourci parce que ça t'évite de prendre toutes les boulettes à gauche là. Ah ça c'est très très bien ça. Mais apparemment il est chaud. Level 4... Waouh. Mais attendez, on l'a vu celui-là non? Quasiment.
aussi, il l'a mis tout à l'heure, sauf que là, il passe sur la rambarde jaune d'avant. Mais c'est une variante. C'est une variante en plus chaude. 85. Ah, ça, c'est 85. J'ai essayé de le faire, je me suis planté, mais je pensais pas que c'était si dur. Tu sautes à fond, là, et tu prends le petit revers. Ah, et c'est parce qu'il a plus l'impropulsé aussi. Et puis, il rejump aussi dans l'espace. C'est vrai que il est peut-être pas si facile que ça. Alors, là, il faut prendre le... Ouais, là, je sais pas, là la vérité... Là, c'est pas que... Là, tu nous en mets trop dans la... Là, on s'est pris trop dans la tronche. Mais ne vous inquiétez pas, on va le voir en détail. Là, on va voir en détail avec quelques points de jump précis. Alors, en 95... Ah, il est parti en biais direct. Oh, il va encore là-bas direct? En double jump? Non, pas en double. Mais il a quand même ultra géré, donc il part un petit peu sur le côté. Hop, hop, hop. Ah ouais, mais il gagne un temps fou en vrai, là. Là, il a gagné un temps fou en vrai, quand il était tout à droite pour passer au milieu. Attendez, quand il dit maintenant... Ah d'accord, maintenant c'est le plus chaud. Le bouquet final pour lui. Et il fait monter la sauce, hein. Level 100. Wow. Oh. Oh. Ah ouais. Ah non, là, ouais. Ah là, j'avoue, là on peut rien dire. Regardez comment il revient, mais un mec, il a aspiré comme un aimant. Et là, regarde, c'est du quoi? C'est l'extraterrestre. GG, mec. Très belle. On va enchaîner avec Mr. Killy avec des points de jump plus précis maintenant. Avec d'autres maps, bien sûr, aussi également. Mais on va revenir aussi sur certaines. Donc, la petite jungle. Ok. Donc là, ok. Ça, c'est bon, c'est le starter. Ok. Là, donc là, il a jump ici, à droite. Ah, il a double. Et au niveau du caillou, à peu près, il double sans y être. D'accord. Regarde. Là, normalement, je pense qu'il va braquer, non? Ouais, c'est ça. Alors ça, on l'avait vu, mais il a expliqué. Donc, faut braquer complètement à gauche pendant le double jump. Bon. C'est un peu dur. Moi, j'ai essayé, je me suis planté. Donc, il dit... Alors. Ok. Bon, en gros, il... Ah. Là, ça double. Là, il peut doubler. Ah d'accord, donc pour aller du premier de droite sur le jeu de gauche, on peut doubler, ça passe. Mais peut-être pas celui de gauche à droite en fait. C'est le truc, parce que moi j'ai essayé des fois de gauche à droite, enfin ça passe pas. Hein. Là par contre il est sur un plus petit. Ça passe direct, il dit. Ok, voyons voir. Ça passe en double. Et ça passe en double et vous avez vu qu'il n'y a pas d'emote. Hein. Jusqu'à présent, les bots, on n'a pas mis d'emote. Oh là, ça c'est le petit. Oh, vous avez vu? Ah, ça c'est très bon. C'est-à-dire que même qu'il est tombé, il a eu le checkpoint. Donc on respawn à l'endroit du dernier checkpoint et il a bénéficié du checkpoint qui était en avant en fait. Donc il est parvenu sur le radeau en fait. Très très bon. Très 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 bon. Le double jump qu'on a vu tout à l'heure, il faut le faire où exactement? C'est ça la question. Il est parti direct. 1, 2, 3, 4. Ouais, mais ouais, je sais pas, moi ça passe pas en vrai. Hein. Et là, il y a un double encore. Follow this direction. D'accord. Donc là, on prend l'extérieur. Et là, dès qu'on arrive à peu près au jaune bleu, là, le bleu qui tourne. Fin du jaune, jump. Pour reprendre le bout jaune. Un petit... Ah, début bleu. Et il faut refaire double jump. Ah, il faut savoir quand c'est double et des simples. Là, ça va être un simple. Non. Ah, ça va être un simple là, plus un simple là-bas. Donc, un petit coup. C'est chaud, hein, faut se rappeler le chemin. Hein. Et après, jump, jump. Oh, ça va, il faut pratiquer les hauts. Hein. Ah, c'est chaud. Fin du rose, petit jump. Et re-jump début jaune. Ah non, jump, jump. Double. Allez, il se prend le mur. Alors là, regardez. Rester aussi près que possible. Mais tu te le prends dans la tête, logique. Pourquoi tu ne te le prends pas dans la tête? Moi, je me le serais pris dans la tête. Et double jump. Pourquoi tu te les prends pas dans la tête? Ah, tu te prends une hélice quand même. Ça te rend plus humain.
sans cracher. D'accord, mais c'est pas grave, t'as craché, mais ça t'a perdu une demi-seconde, quoi. Magnifique. Ok. Ok, double. Double. Bon, ça, je veux dire, j'ai un bon timing, mais bon, ok. Là, il passe où? Attends, il a dit. Alors, on attend. Et double. D'accord. Il a juste attendu que les premières piques tombent, il a double. Là, il arrive au coin. Et, alors, c'est le truc de tout à l'heure, mais c'était un level 60, alors je sais pas combien. C'était très dur. Est-ce que... Mais bon. Là, ça a l'air... ça a l'air simple. Non, ça a l'air pas simple, en vrai. Moi, je vous dis ça. Ça, oh, ça aussi... Il passe tranquille. Ah, peut-être là. Non, là, il a pas fait le ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais peut-être ça se fait pas dans tous les cas de figure. Quand il y avait la boulette qui arrivait, il y avait un petit espace à gauche. Second way. Alors, deuxième chemin. Là. Ah, voilà, il l'a fait. Et il l'a fait en tapant un peu plus même sur le mur sans avoir peur de se le prendre. Donc, c'est intéressant. Ok, ça va faire. La seconde way a l'air sympathique. Ça, c'est une map un peu que j'ai du mal. Alors. Double jump. Il full de double jump. Hein. Ouais, mais comment? C'est sans réfléchir en fait. Hein. Double jump ici aussi? Oh. Et là sur la rampe? Oh. Double jump rampe. Oh là là. Oh là là. Attendez, excusez-moi, il y a eu un petit. Quelqu'un qui s'est exprimé? Là, il n'a rien fait spécial, hein, parce qu'il s'est même pris un truc. Ok, la fin avait l'air ok, mais c'est surtout sur tout le début. Space Race. Alors, est-ce qu'il nous fait le petit panneau? Je pense qu'il va le faire. Petit panneau. Crash into the... Ok, d'accord. Le petit crash sur le panneau. Ah! Là, vous avez vu, il l'a même pas pris sur le panneau, il l'a pris sur le centre. Ça marche aussi. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'au moins, on n'a pas besoin d'attendre qu'il tourne. Le caillou, on avait dit... Il va y aller ou pas? Il n'a pas été d'un coup. D'accord. L'autre, tu passais par l'autre à côté, donc on peut faire les deux chemins. Là, par contre. Oh. Il a vu la soluce directe d'ici? Il a vu que ça allait être au milieu? Attendez, ça m'intrigue. Parce que là, vous avez vu le zoom? Parce que dans cette map-là, ce qu'on sait pas, c'est à la fin, c'est si le finish, il va être à droite, gauche, milieu. Là, j'ai l'impression qu'il est en train aperçu le truc. Allez, il va à droite, par contre. Ah, parce qu'au milieu, il a vu qu'il y avait croix. Il a vu la croix rouge du milieu, je crois. Et là, il voit le finish. C'est le bleu. Oh! Là, c'est bleu 100% middle, il dit. Ah, oh, c'est bon ça! Mais attends, frère, moi j'ai jamais fait attention à ça. Ça, c'est un très 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 bonne astuce. Magnifique. Donc, du coup, deuxième Jupiter, eh, il est là. Et voilà. Et le finish, il est bien au centre comme il a vu. Magnifique. Très bon. Très très bon. Celui-là, il est vraiment exceptionnel. Lava Rush. Bon, Lava Rush, dur Lava Rush, hein. Ok, part à droite un petit peu et le jump. C'est comme tout à l'heure, hein. Sauf qu'il y a un jump prévu là-bas. Mais non, il en fait... Non, il dit pas prévu là-bas, il dit jump pour là-bas. Voilà, là... Ah, il est vite quand même là, vous avez vu, il a fait un... Je pensais que ça allait être un cancel, mais pas du tout. Jump over there, donc il faut sauter maintenant ou quand? Non, sur le côté... Ah non, il l'a... Ah non, c'est over, ça veut dire... pas dessus, c'est tu l'esquives, en fait. Moi, j'ai un peu de mal avec les jumps sur les sides. Hein. Les jumps inclinés, j'ai un peu de mal, moi. La double. Wait before jumping. Ah, voilà. C'est ça. Vous avez vu, il attend le maximum quand il est en l'air avant de faire son jump dans l'air. Mais maximum, moi, je sais pas ce que c'est. Hein. Moi, je tombe en l'air avant. Très bon. Ah ouais, mais non, mais ça c'est... Pareil, il dit que t'attends le plus possible avant de sauter. Keep jumping to get boosted. Ok. Garde ton jump pour être boosté. D'accord.
jump et double jump until touching the floor. Alors, jump et double. Avant de toucher le truc. Ok, ça permet de rester en mode glissade, puisque c'est une map. J'ai remarqué sur celle-là, comme elle glisse de base, du coup, quand on a double jump glissade, ça part directement. Et ici, double jump. Ah oui, passe carrément pas dessus. Ouais, pas mal, hein. Ça gagne du temps. Hein. Prends pas le trampoline, du coup, il gagne. Bon, après, les mecs, il est ultra chaud quand même. Hein. On en parle, hein. Centrale. Centrale sur le bout du trampoline bleu. Ah, j'ai l'impression que c'est dur, en vrai. Alors, attendez, il y avait le truc au milieu aussi, là. Non, il est pas là. C'est où? À quel moment? C'est après. C'est là. Là. Là, voilà, il va y aller, là, au milieu. Middle. Ah non, il l'a pas eu, là. C'est pas ça. Non, il n'est pas passé par le chemin de l'autre. Non, c'est pas le même. C'est pas le même cas. C'est un autre délire. Comment tu jump ici? Oh, ça c'est tricky ça aussi. Hein. Vous avez vu ou pas? Il s'est bumpé, il est projeté à gauche après. Oh, c'est trop close. C'est so close. Oh, vas-y, non, il tombe pas lui. Ah, voilà le truc de tout à l'heure. Voilà, c'est celui-là. Mais là par contre. Wow, tu passes à. Là, tu peux. C'est Copperfield ça. Ça, c'est Copperfield. Alors, cette map là, en vrai, nous on allait full à droite. Et lui, pas du tout. Il jump et il va monter par-dessus. C'est plus rapide ça, vraiment. Mec, il est seul sur la map, vraiment, genre, les autres, ils sont de loin derrière à ce point-là. Ok, là, à la fin, il y a... Oh, non, c'est pas la fin encore. Follow this direction. Alors, j'ai l'impression... Genre, il est pas atteignable, vous pensez? Ah, je sais pas, on dirait qu'il est passé à travers les balles. Ah! Ah, il s'est pris un petit crash, ça fait plaisir. Moi, ça me rassure, hein. Ça me rassure, tu vois que c'est pas un bot quoi. Ok. Double jump d'entrée. Tu passes milieu. Ok, faut braquer. Ok, tu braques dans les directions contraires. Wow, mais moi ça passe pas tout crème comme ça là. Combien a la record pour arriver à faire ça? Pensez que ça marche à tous les coups. Là il passe au. Ok, mais. Et là il passe au centre aussi. Oh, il va faire le centre, tes potes. Hein. Il va aller sur la petite pointe au-dessus là. Oh, ça a l'air dur. Là aussi? C'est magnifique. C'est splendide. Humble Stumble, c'est lequel celui-là? Humble Stumble. Ah, j'aime bien celui-là. Ah non, j'aime pas. C'est des trucs, hein, on se retrouve en... comme ça et après t'attends qu'un gars il vienne faire levier là. Non, il n'y a pas de ça. C'est après, je crois. Bon, ça c'est relou ce passage là, un petit peu vite fait. Ok, là il est esquivé contre total. Il marche. Ah non, c'est pas ça qui a le but, c'est pas Humble Stumble. Non, en vrai, celle-là elle est tranquille. Oh, il a fait full tout droit. Mec, t'as l'impression qu'il y a rien sur la map qui te dérange. Floor flip. Ah, c'est celle-là. Je la déteste. Il y a pire, mais c'est relou. Alors. Ah bah oui, là y a personne pour t'aider, donc du coup voilà, hop, il va tout seul, là pour l'instant ça va parce que tout est plat, ça reste plat, oh non, ça oui, non moi ça passe pas, c'est pas... regardez comme il est en dessous, on le voit en dessous, comment tu fais, on le voit en dessous, et là, là où tu vas frérot, direct dans le, 3... direct dans le 4ème, non 3ème, oh. Voilà, prends toi un petit crash, ça fait pas de mal. Ça, ok, de toute façon, il n'y a rien à faire, tu prends le chemin où ça passe. Et là, une petite astuce. Non, rien du tout. Ok. Ok. Donc vraiment, c'est le truc d'avant, c'est incroyable. Oh, ça finit comme ça, purée, j'aurais pu m'en voir encore, je sais pas combien c'est. Bon, on va prendre tout ça, on va prendre les petits papiers, et on va jumper. Vous allez me dire tout ce que vous allez réussir à reproduire. Je vous dis à la prochaine, ciao.